Salut les filles, ici Laura. Bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, en fait, toute la semaine, c'est des capsules qui m'ont été inspirées par Maxime Saint-Onge. Donc, c'est le fun parce que ça me fait changement un peu, puis j'ai des idées de d'autres personnes. Donc, c'est sûr que c'est moi qui bâtis la capsule, mais les idées sont vraiment fondées de Maxime. Donc, je ne l'ai pas rien y enlever cette semaine. Donc, pour la première capsule, il m'a suggéré vraiment de parler au niveau des groupes musculaires pendant l'entraînement. Qu'est-ce qui est mieux, surtout pour les femmes? Est-ce qu'on veut travailler tous les muscles en une journée? Est-ce que c'est mieux de séparer les groupes musculaires par jour? Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus ça tout au long de la capsule. Donc, la première capsule, je vais vous expliquer les choix que vous pouvez avoir, dans le fond, au niveau de l'entraînement. Puis, dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer un peu ce que moi, je vous suggère, puis pourquoi encore une fois. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut s'entraîner. Premièrement, les femmes, on a beaucoup tendance à ne pas faire de musculation ou juste aller faire quelques répétitions, puis après ça, on s'en va. Quelques répétitions des muscles qu'on veut travailler, qu'on veut raffermir. L'affaire avec ça, c'est que... Tu sais, il y en a beaucoup, ils veulent travailler, ils veulent raffermir beaucoup les cuisses ou les triceps ou les fesses. Donc, c'est vraiment le ventre, évidemment, là. Mais c'est vraiment des muscles que on veut aller travailler. Puis des fois, en allant les travailler, c'est que soit on les travaille pas de la bonne façon, on maximise aucunement nos résultats. Donc, on perd un peu plus notre temps dans le gym qu'autre chose. Si on va juste faire, bon, je vais en faire 20 répétitions d'un exercice, 20 de l'autre, après ça, je vais en faire du cardio. Tant qu'à faire ça, je vous suggère que ça change pas grand-chose. Puis je vais vous expliquer peut-être une autre façon pour, OK, vous avez pas beaucoup de temps, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, dépendamment de combien de fois par semaine vous entraînez, ça va vraiment déterminer quels muscles vous devriez travailler, comment aller les travailler encore plus. Donc, on a le choix. Disons, on s'entraîne, là, je prends 3 fois par semaine. Ça, c'est le plus typique parce que c'est qu'est-ce qui est plus réaliste pour des gens qui travaillent un mode de vie vraiment actif, tout ça. Donc, ce que je vous suggère, dans le fond, il y a différents choix. 3 fois par semaine, vous pouvez faire un full body, c'est-à-dire que vous pouvez travailler tous les groupes musculaires à tous les entraînements que vous faites. Donc, ça vous permet de toucher chaque muscle 3 fois par semaine, qui est vraiment bien. Donc, je vais vous expliquer un peu plus dans la deuxième capsule pourquoi c'est vraiment bien. Puis après ça, vous avez, dans le fond, si vous faites 3 fois par semaine, donc vous dites, OK, mais à chaque entraînement, je ne vais pas travailler le même muscle. Donc, je vais travailler les jambes le lundi, je vais travailler plus les bras le mercredi, et les abdominaux, la stabilité, le ventre, le dos, tout ça. Peut-être plus le vendredi. Là, vous allez vraiment toucher chaque groupe musculaire 1 fois par semaine. Donc, ça, c'est une petite façon. Vous pouvez aussi séparer. Moi, dans le fond, ce que je peux faire, c'est que je vais faire, disons, haut du corps, bas du corps, puis une troisième fois, là, vous faites des abdominaux. À 3 fois par semaine, c'est vraiment limité. Quand vous augmentez à 4 fois, là, ça peut devenir intéressant. Vous pouvez faire 2 jours différents, mais vous le faites ces 2 journées-là 2 fois dans la semaine. Donc, vous faites vraiment, jambes avec les épaules, puis pectoraux, dos, abdominaux, si vous voulez, là, plus la journée 2, puis vous le faites 2 fois. Donc, vous ciblez vraiment les gros groupes musculaires 2 fois dans la journée, puis 2 fois dans la semaine, my God. Puis, ça va aller vraiment les toucher un petit peu plus souvent. Donc, dans la deuxième capsule, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui est mieux, pourquoi, si vous voulez tel résultat, c'est plus perdre du gras, raffermir, qu'est-ce qui est mieux pour vous. Donc, je vous reviens avec ça dans 2 petites secondes. À tout de suite!